des péchés, qui te ramène dans la maison de Dieu. Tu ramènes dans les abominations constamment dans la maison de Dieu. Dieu interdit toutes ces histoires, ces pratiques. C'est écrit là-bas. Vous avez oublié ton Dieu, comme tu es là ce matin. Vous savez, tu avais fait des promesses à ton Dieu. Est-ce que tu les as accomplies? Tu avais fait des vœux à Dieu. Est-ce que tu les as accomplies? Quand tu étais à Kinshasa, quand tu étais au Rwanda, je ne sais pas, au Rwanda, au Burundi, je ne sais pas. Quand tu souffrais là-bas, quand il manquait de visa, quand il manquait qui pourra m'aider, quand il disait qui pourra m'envoyer même les billets, quand il disait mais qui pourra me sauver là où je suis à Kinshasa, je pleure, je souffre encore et encore. Tu avais promis à ton Dieu comme tu es là ce matin. Mais la Bible dit, tu as tourné le dos à l'Éternel, tu as suivi le succès de ce monde. Tout ce qui est dans le monde, tout ce qui brille, vous ne répondez pas. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et toi, tu as tourné le dos à ton Dieu. Tu avais fait un vœu à l'Éternel. Seigneur, si j'arriverai à Bruxelles, si j'arriverai à Paris, si j'arriverai à Londres, je serai, tu seras mon Dieu, je serai ton serviteur. Où en est aujourd'hui? Amen. Tu as tourné le dos à l'Éternel Dieu. Il te rappelle tes promesses, tes vœux que tu avais fait vers lui. Tu dis, c'est je soutiendrai ton travail, je soutiendrai tes serviteurs. Aujourd'hui, tu deviens égoïste. Égoïste. Amen. Là, tu as péché. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? La Bible dit, on les a enseignés dès le matin. Vous savez, dès le matin, les hommes de Dieu ne dorment pas. Ils sont constamment dans les prières, la nuit, la journée, constamment, pour vous enseigner. Vous conscientisez, vous parlez de Dieu, que Dieu existe. Il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Amen, amen. Constamment, Dieu vous parle. Vous dites, non, on en a marre avec ces prédications. Là, tu as tourné le dos à l'Éternel. Là, tu as péché. Si tu es là ce matin, tu avais fait un vœu à Dieu. Tu n'as pas accompli ce vœu, tu as péché. La Bible dit, Dieu est au ciel, toi tu es sur la terre. N'ouvre pas ta bouche pour promettre à Dieu, sinon tu vas pécher. C'est écrit. Est-ce qu'on peut dire Hosanna? Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Il est vivant. Yes. Jérémie 2, Jérémie chapitre 2, verset 13. Et vous sautez 19. Nous parlons de péché, bien-aimés dans le Seigneur. Jérémie. Au nom de Jésus. Amen. Dans Jérémie chapitre 2, verset 13 et verset 19. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'il a écrit, mon frère? Car mon peuple que vous êtes ce matin a commis un double péché. Vous avez commis un double péché. Ils m'ont abandonné. Vous avez abandonné ton Dieu comme tu es là ce matin. Moi qui suis une source d'eau vive. Lui qui est une source d'eau vive. Le salut appartient à l'Éternel. Alléluia. Vous n'avez pas compris. Amen. Amen. Pour se creuser des citernes. Réponds. Je suis, moi qui suis. Ils m'ont abandonné. Vous avez abandonné ton Dieu, vous savez. Abandonner Dieu, c'est quoi? Selon les pratiques, ce que tu fais. Dans les marches que tu fais maintenant, tu as abandonné ton Dieu. Dans tes paroles, dans tes langages vers les gens, dans tes désirs charnels, tu as abandonné ton Dieu. Tu es loin de ton Dieu maintenant, loin de la réalité de Dieu. Tu as rejeté le Dieu l'Éternel, lui qui est la source d'eau vive. Celui qui va t'alimenter. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. À toi, celui qui vendra pour t'alimenter. Et vous avez abandonné les dieux là. Qui alimente gratuitement. Qui t'est tourné le dos vers les idoles. Les idoles qui ne parlent pas. Un homme qui crée un homme et crée quelque chose comme idole pour adorer l'arbre. Coupé par les hommes. Cet homme ne parlait pas. Mais Dieu ici révèle. La Bible dit, tout ce qui est caché sont à l'Éternel. Révélé soit à vous et à vos enfants. Et Dieu qui révèle les choses, qui a rejeté ces dieux-là. Tu ne veux pas voir ces dieux-là. Mais qui te tourne vers les idoles, les sorciers, les magiciens, les gens de bonnes aventures. Tu vas présenter ta vie vers ces gens-là. C'est pourquoi Dieu te dit, tu m'as abandonné. Souviens-toi. Reprends. Rentre vers Dieu. Amen. Amen. 19. Verset 19. Ta méchanceté te châtiera. Ta méchanceté te châtiera.
Et ton infidélité te punira. Ton infidélité parce que tu es infidèle aux choses de Dieu. Tu sauras. Tu es infidèle vers ton mari, vers ta femme, vers ta famille. Tu es infidèle. Change. Change ta conduite. Et Dieu changera ta situation. C'est un bien-aimé système. Il va changer ta situation. Continue, qu'est-ce qu'il dit? Tu sauras. Tu sauras. Et tu verras. Ça veut dire, tu sauras au Koyoka après. Tu verras. Kola Pamela. Réprouve. Tu sauras. Au Koyoka. Et tu verras. Parler. Quand on parle de péché, elle est complexe. Il faut accepter ça. Sauf que ça, la gamotique. Si tu pratiques, laisse tomber. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen? Est-ce qu'on peut dire alléluia? Qu'est-ce que l'écrit le prend? Tu sauras. Tu sauras. Et tu verras. Et tu verras. Que c'est une chose mauvaise. C'est une chose mauvaise et amère. Bololo. Et amère. Amère. D'abandonner l'Éternel. D'abandonner l'Éternel, ton Dieu. Ton Dieu. Et de n'avoir de moi aucune crainte. Dit le Seigneur. L'Éternel des armées. Acclamons les Seigneurs. Bethlehem, ma voix. Alléluia. Alléluia. Reprends ce verset biblique. Je reprends. Pour une meilleure audition. Suivez bien, mes frères et sœurs. Reprends le verset biblique. Qu'est-ce qu'il est écrit? Verset 19. Ta méchanceté te châtiera. Et ton infidélité te punira. Tu sauras. Et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel ton Dieu et de n'avoir de moi aucune crainte, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité des morts. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Gloire à Jésus. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Prenons Ésaïe, chapitre 59, verset 2. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. Dans Ésaïe, chapitre 59, au verset 2. Qu'est-ce qu'il est écrit, mon frère? Serviteur. Mais ce sont vos crimes. Mais ce sont nos crimes. Qui mettent une séparation. Qui mettent une séparation entre vous, entre nous et votre Dieu. Et notre Dieu. Ce sont vos péchés. Ce sont nos péchés qui vous cachent sa face. Qui nous cachent sa face. Est-ce qu'on peut dire amen? Tu fais beau prier le matin, le soir. Tu peux gêner. Tu peux rentrer dans les retraites. Tu peux invoquer. Tu peux adorer. Mais mon frère, ma soeur, si tu vis constamment dans le péché, la Bible, le salaire du péché, c'est la mort. Si tu continues constamment à persévérer dans le péché, tu ne verras jamais la face de l'Éternel. Tu ne verras jamais. Tu peux qualifier des hommes de Dieu, tu peux qualifier des églises, tu peux quitter église ou église sans succès. Pourquoi? Parce que tu vis constamment dans le péché. Les péchés infernaux, les péchés chéris, les péchés que tu caches, les péchés là que constamment, quand tu es dans l'abri, tu commences à faire les incantations. Vous croyez, celui qui a créé les jets, est-ce que. Il ne voit pas. Quand tu dis que tu es dans le secret, c'est vrai. Mais la Bible déclare, même dans le secret, Dieu fera quelque chose. Il va prendre ça, il mettra sur la maison. Sur le toit. Est-ce qu'on peut dire alléluia? Quittons les pratiques des péchés. Si tu vis aujourd'hui, c'est pas toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Mais si Christ vit en toi, Christ est mort sans péché. Que Dieu te bénisse. Christ est mort sans péché. C'est écrit. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire alléluia? Ce sont nos crimes qui nous séparent de Dieu. Ce sont nos péchés, nos comportements, nos manières de parler, nos manières de voir, nos manières de concevoir les choses. Ce sont ces choses-là qui nous cachent.
cache la face de Dieu. Ce sont ces sons-là qui nous séparent de Dieu, séparés de Dieu. La Bible dit, ce que Dieu demande en toi, c'est ma votre sanctification. Et sans la sanctification, personne ne verra Dieu. C'est écrit. Une vie de sanctification, une vie de purification journalière. Une vie de purification journalière. Encore un petit, tu vas te purifier par le sang de Christ. Tu as remarqué quelque chose, tu dis, ça j'aime pas. Seigneur, purifie mon esprit. Je sois saint, alléluia. Constamment. Et tu vas ramener du Seigneur. Est-ce qu'on peut dire alléluia? Est-ce qu'il peut s'en dire amen? Amen. Est-ce qu'il peut s'en dire hosanna? Hosanna. Bien-aimé dans le Seigneur. Celui qui pratique la justice de Dieu. Dieu est avec lui, parce que Dieu est justice. Amen. Alléluia. Amen. Dieu dit, ce que je demande pour toi, mon fils, c'est ma vôtre. C'est ma vôtre. Et sans la sanctification, c'est écrit. Est-ce qu'on peut dire hosanna? Est-ce qu'on peut dire amen? Prenons le livre de Jean, chapitre 8, verset 34. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Dans Jean chapitre 8, au verset 34. Qu'est-ce qu'il a écrit, serviteur? En vérité, ça c'est Christ qui te dit aujourd'hui. Je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché. Est esclave du péché. Est-ce qu'une personne a compris? Amen. Si tu as compris, tu bouges ta main. Jésus-Christ a dit, en vérité, je vous l'ai dit, répète Jésus. Si quelqu'un vit dans le péché, il est automatiquement l'esclave du péché. Or, vous n'êtes pas l'enfant de l'esclave. Vous êtes l'enfant de la femme libre. Vous êtes enfant de la femme libre. Est-ce qu'on peut dire amen? Bougez ce qui dort là. Maman, bonne, pour vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Oui. Acclamons le Seigneur, le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Gloire à Jésus. La Bible dit, en vérité, je vous l'ai dit, c'est lui qui se livre au péché. Il y a des gens qui dorment dans les péchés. Il se réveille, il est dans les péchés. Quand il marche dans les péchés. Quand il parle, il ne peut même pas parler. Il ne peut même pas l'écouter, parce que ce qui va sortir de sa bouche, c'est des péchés infernaux. Il y a des gens qui vivent constant jusqu'à sa vie. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens ainsi bien-aimés dans le Seigneur. Ils vivent constamment dans les péchés. Ils grossissent dans les péchés. Ils maigrissent dans les péchés. Ils perdent le poids dans les péchés. Ils mangent le poids dans les péchés. Ils réfléchissent dans les péchés. Ils mangent dans les péchés. Ils s'endorment dans les péchés. Tout ce qu'ils font, c'est. Tout ce qu'il fait, c'est. Si tu es là, tu dois quitter. La Bible dit dominer sur. C'est écrit, Dieu a parlé à Caïn. Alléluia. Amen. On fait seulement ajouter. Jésus-Christ a dit en vérité, je vous l'ai dit, c'est lui qui se livre au péché. Esclave. Esclave et libre, même. Pour une meilleure audition, il y a ma fille Evelyne qui est là, je vais écouter un peu. Hein? C'est quoi? Ah, Bongo, il y a quoi? Il y a la Camerounaise, on va Bongo. Alléluia. Il est vivant. Yes. Acclamons le Seigneur, le Seigneur. Ce sont des acclamations. Acclamons pour le Seigneur.